Et salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on s'ouvre une ETB Fable Nébuleuse, bien entendu. Je vous donne tous les codes de trucs que j'ai ouvert en off ou pendant la vidéo de dimanche. Donc bien sûr, vidéo de dimanche, allez mettre un commentaire pour pouvoir participer au concours des 1000 abonnés qui est ouvert depuis donc dimanche. Donc voilà, il suffit d'aller mettre un commentaire sur la vidéo. Et vous avez une chance de gagner 10 packs récompenses et 5 packs cartes Pikachu. Je commence à être remis. Et bien entendu, le premier lot sera l'Ultra Premium qu'il y a à gagner sur la chaîne, bien entendu. Et donc le tirage au sort sera le dimanche 25 où on s'ouvrira cette petite dinguerie Eclipse Cosmic demi-display. Voilà, c'est des. On va pas dire que c'est introuvable, mais après, c'est trouvable, mais à des prix. Pas trop abordable en tout cas. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir cette ETB Fable Nébuleuse. Bien entendu, elle est là. On l'a pas mis, mais elle est là de toute façon. Voilà, on va l'ouvrir. Allez, on va tout balancer vite fait par terre. Hop, hop, la boîte est là. Nos 9 boosters sont là. 3, 6, 9. Oui, on a bien les 9. Déjà, c'est bien. La carte promo, les petites sleeves, bien entendu. On peut le mettre dans le décor parce que ça se trouve, on n'aura pas grand chose. C'est du Fable Nébuleuse, bien entendu. On peut avoir plein de choses, qu'on peut avoir pas grand chose. On espère en avoir plein. Allez, c'est parti. Fabianos. Premier booster, Fabianos. J'espère que cette ETB sera belle. Allez, déjà, on va vous donner plein de codes encore une fois. Allez, Brindibou. Il manque trois alternatives à aller chercher, mais qu'on en a eu deux dimanche sur la vidéo. Et il manque encore, bien entendu, 4 gold. Cassiopée, Mythe de Fer, Zoria, et Nocturne Noir, et une énergie combat en normal. Bon, allez mon petit singe, dès que cette ETB soit belle, allez on espère. Est-ce que vous avez quelque chose de beau, vous, sur l'application quand vous aurez vos boosters? Vrombi, Nosferapti, Malos, alors bien entendu c'est une série très dure à looter. Hein. Curiem, Académie de Nuit, Dimoré, Evoli. Allez, c'est là qu'on veut quelque chose. Tant pis. Farfuré, parce qu'on a toutes les holos, toutes les rivers, on les a. Hein. J'ai déjà tout. Tout holo, tout rivers. Les ex aussi. Donc il ne manque que les secrètes hein, maintenant, tout simplement. Il manque que les aires, que les alternatives et que les gold. Donc ça va être beaucoup. Enfin, ça va être très difficile de mettre des cartes dans la collection maintenant. Allez. C'est parti. Et le booster il s'ouvre toujours aussi mal cela en tout cas. Allez. Hippotrampe. Une Cisache. Farfuré. Brombi. Une petite aire dans le TB, ce serait cool. Archiduc. Académie de nuit. Curiem. Art secret de Janine. Allez, c'est là qu'on veut quelque chose. Bon, on n'aura pas là en tout cas. Il nous manque quelques full art aussi, donc énergie métal, on les a toutes aussi. On a toutes les énergies en reverse comme ça là. Parce que j'ai là, je dois un truc qu'il faut pas à travers la gorge là. Allez, petit code. Terraclope. Miaus. Zorua. Malos. Megavolt, j'ai enlevé deux cartes à la fois là. Nymphalie. Nymphalie, bah Nymphalie, Nymphalie, mais c'est là derrière qu'on voit quelque chose. Hippotrampe. Et Pachiraja. Petit holo. Bon, on a ouvert trois boosters. C'est pas top. Les ex, on sait qu'elles tombent beaucoup. On en a beaucoup même en double sur la. Sur la vidéo en famille qu'on a fait donc dimanche pour les concours des 1000 abonnés, ben vous savez que ça tombe énormément les ex.
Celle qui tombe le moins, c'est le Rhombotor, parce que c'est une terre à cristal. Mais sinon, les autres, elles tombent assez régulièrement. Mais on veut autre chose que des ex, s'il vous plaît, nounourson. Et ça va être compliqué. Hein. Voilà. C'est forcément ça, il y en a plein, ils en ont foutu plein de partout. Des ex, des ex, des ex. Il y a plein des ex. J'ai même pas protégé. Bon, je le ferai après. Je ferai après la vidéo, je mettrai sa pochette. Même si c'est une ex, il faut les protéger. Hein. C'est quand même une ultra. Bon, allez. 2-8. C'est pas mal, mais c'est des ex, donc il faut sortir autre chose. Allez, une petite aire serait cool. Mochi de servitude. Sépiatrops. Sablier du pouvoir. Sablier du pouvoir. Allez, ça fait deux fois qu'on a un double comme ça. Nocerapti. Ouais. C'est ce qu'on redoute sur les items. Hein. On n'est pas une grosse carte, surtout sur un item pareil. Malheureusement, il y en a pas mal. Et moi, je perds ma voix. Pas pourquoi. Chelours. Sépiatope. Soporifique. Statistique. C'est un truc de fou. Hypnomade. Académie de nuit. Curiem. Malos. Allez, on voit quelque chose d'autre là derrière. C'est pas croyable. Farfuré. Ursa King. D'énergie de combat pour l'Ursa King. Je suis en train de perdre ma voix. Je vais aller chercher une petite bouteille d'eau parce que je crois que je vais pas y arriver sinon. Allez, deux boosters encore. Il ne manque plus que ça là. Allez. Code, il faut autre chose. Allez, 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 on veut des trucs. Absol, Hypocéan et Flèche, Skellinox, Yveltal, Sablier du pouvoir, Genesect, Coiffarel. Je crois que cette DB elle est tristounette. Bon, encore l'énergie métal. Deux énergies, mais c'est deux énergies métal. Bon, bah, mon petit singe, il va falloir que tu fasses quelque chose. Je t'ai demandé tout à l'heure, fais-le maintenant. Hein. Le TB, il allait éclater. Allez, tout éclater. Le petit TB. Donc, si vous voulez gagner une petite carte Pikachu, il y en a 5 à gagner sur la vidéo de dimanche dernier. Il suffit juste de mettre un commentaire sur la vidéo pour participer au concours des 1000 abonnés. Et bien sûr, vous pouvez avoir une chance de gagner l'Ultra Premium. Evoli, Civière Nocturne, Yveltal, Ténacité de Nicolai, Cassiopée. Bon, ben, c'est complètement. Oh! Ben, non, j'allais dire, c'est complètement éclaté. Bon, presque. Bon, je l'avais pas celle-là. Je l'avais pas eu encore celle-là. Bon, au moins une carte qu'on aurait mis dans le classeur. Mais ça n'aura pas été une très belle ETB en tout cas. Allez, j'espère qu'on fera mieux. Allez, parce que il me semblait que ça n'allait pas faire mieux. J'ai un duo pack à ouvrir. La dernière fois, les duo packs ont été très très beaux à ouvrir. Donc je me suis dit, je vais en reprendre. Allez, origine perdue. Star étincelante. Waouh, la voile part. Un petit code noir sur origine perdue, pourquoi pas. On y croit, on y croit. Allez, Hypocéan, Gyarados, Chaofouine, Rocabo, ça fait bizarre du jaune. Otaria, Polychombre, Machoke, Pikachu. On va dire, on l'a vu souvent dans les duo packs. Hein. Pas de TG. Bon, on veut quelque chose derrière alors. Une petite V-Star.
Oh, ben ouais. C'est presque le. C'est pas le bon, mais le nom, c'était le bon qu'on voulait. Et c'est pas le bon Vestar. Bon, mais déjà, c'est une très belle carte, en tout cas. On prend quelque chose, déjà, c'est déjà joli. Hein. Allez, Star Étincelante, est-ce qu'on va faire pareil? Est-ce qu'on va prendre un code noir? Pourquoi pas? Deux codes noirs sur les tripacks. Oh, oui, on prend un code noir encore. Donc on peut avoir quelque chose de beau encore. Un petit jeton Vestar en plus. Bon, qui sert à rien. Allez, Poliwrath. Sauvegarde de rose. Ça, c'est une full art. Musteflotte. Tarinor. Et belle TG, là aussi, dans cette série. Deden. Polarum. Lixie. Pour l'instant, c'est du opaque. Ils ont l'air pas mal du tout. Hein. Car Artichaut n'a rarement été déçu. Ouais, voilà un petit, ben voilà, un petit Raichu en plus. C'est vraiment des petites dingueries, c'est du opaque. Alors, est-ce que j'ai de la chance à chaque fois quand j'en prends un? Bien, ça fait beau, ça fait quand même pas mal de fois de la chance, on va dire. Petit Raichu, très beau. Star Étincelante, bon, c'est des cartes que j'ai déjà, hein, bien entendu. Parce que j'ai le set complet. Allez, maintenant, on va s'ouvrir. Trois boosters écarlate et violet, sortis de leur emballage, ce que j'ai eu en promo. Cet été, j'ai eu pas très cher. Il me manque quelques cartes à aller chercher dans Écarlate et Violet. Il doit me manquer une dizaine de cartes. On va aller les chercher. Allez, on ouvre les trois comme ça, vite fait. En espérant en voir quelque chose. Les petits bébés là, les petits starters. Ils nous regardent, ils sont tout mignons là, tout mimi. Allez, Écarlate et Violet. Petit code pour vous si vous en avez pas ouvert. Allez, ça, je vais le mettre là. Toxizap. Tarsal. Caninos. Poixombre. Dunaconda. Hera. Etoraptor. Florges. Allez, qu'est-ce que tu nous caches? Bon, rien du tout. Gourmelet. Oh, un petit ex. Gardevoir, pourquoi pas. Petit ex, bon, on part pas sans rien en tout cas, à chaque fois. C'est déjà pas mal. Petit garde-voir ex. Ça met de la couleur derrière. On reste dans le thème violet du Fable Nébuleuse. Allez. Allez, petit code. Deuxième booster. Il nous en restera un derrière. Compagnol. Colossin. Je suis en train de tout enlever d'un coup là. Ouais, bon, on en a. Mimosa. Lucario. Remimosa. Veut dire que tu peux venir, hein, Mimosa, viens. Hein. Tu peux. Lagados. Bon, rien du tout sur ce booster-là. Allez, dernier booster de la vidéo, en tout cas. On aura fait une petite moisson, on va dire. On aura eu des hits de partout. On n'a pas eu de gros hits. Mais on en aura eu pas mal. 3 hits sur Fabulous sur l'ETB, bon, c'est le minimum. Hein. C'est vraiment le minimum. On n'a pas eu de gros hits dedans, bon, c'est pas très grave. Et derrière, du opaque, très bien. Et les boosters Karaté Violet. Ça peut aller, on a pris une petite ex. Il faut avoir quelque chose de mieux là. Pourquoi pas Go Drive, un gros drive. Magnéti. Et Oyakata. Bon, voilà. On en reste là pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire donc sur la vidéo de dimanche pour pouvoir avoir une chance de participer au concours des 1000 abonnés. Et il y a 16 lots, donc il y aura au moins 16 gagnants normalement. S'il n'y en a pas un qui gagne, bien sûr, les 3 lots en même temps. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.